Je pourrais seulement répéter que l'Union européenne, c'est un coordinateur d'un traité qui existe. Et les décisions sur changement sur le traité ne sont pas pour l'Union européenne à faire, c'est une décision des de participants de ce traité, de ce agrément. Et un forum approprié ou un niveau approprié pour toutes les discussions sur le futur, sur le contenu, sur le respect de JCPOA, c'est la commission conjointe de JCPOA où on peut discuter toutes les choses qui sont, où les participants pouvons trouver l'agrément ou l'unité, mais ce n'est pas pour l'Union européenne donner proposition sur les changements de ce traité, parce que notre rôle, c'est assurer la coordination des pays participants. La priorité maintenant, c'est développer ou faire tous les efforts pour assurer un possible retour des États-Unis à l'accord nucléaire. C'est la première priorité. Après, la priorité est assurer le plein, le total respect pour le traité nucléaire de la partie de tous les participants. Et la troisième priorité, si nous pouvons réussir ça, on peut discuter et on peut utiliser ça comme une base pour avoir un dialogue plus ample, plus grand sur la sécurité et stabilité dans toutes les régions qui souffrent beaucoup d'instabilité.